Ce désir d'être bénéfique s'est imposé à moi comme une évidence, comme un moyen vraiment d'aider encore mieux les gens. C'est-à-dire de ne pas laisser interférer mon ego, mon propre esprit, dans ce jeu relationnel. Dalai Lama dit d'ailleurs toujours une chose qui, moi, m'a marqué, qui était très importante. Il disait, vous devez, dans vos relations, toujours avoir en toile de fond l'amour et la compassion. En sachant que l'amour, c'est de souhaiter, ça n'a rien d'avoir quelque chose d'affectif, c'est d'avoir l'esprit de souhaiter du bonheur à l'autre, et si tant est qu'on peut y participer, on peut le faire. Et puis, la compassion, c'est vraiment lui souhaiter de se libérer des causes de la souffrance. Donc, mon souci était permanent, en permanence, de voir comment je pouvais amener les gens, justement, à se libérer des causes de la souffrance et actualiser les causes du bonheur. Et pour ça, j'ai vite compris que la meilleure chose que j'avais à faire était en quelque sorte de me purifier moi-même, de me libérer moi-même de mes propres obscurcissements, parce que une vitre entachée ne peut pas donner de lumière à son environnement, donc c'est indispensable.